Salut à tous, c'est Mr. Freeze. Donc on se retrouve pour la suite de Phoenix Wright, la fin de la deuxième affaire, troisième affaire, pardon. Je vous préviens, ça va être assez intense. Non, il le dit en direct. Hunter, quand il parle, il a trop une gueule de blasé. Voilà, c'est directement elle. On avait vu. Il y avait une blague là ou? Allez. Bonsoir. Ouais. C'est bien qu'elle s'égare pas trop, pas trop de trucs comme ça. C'est ce qu'on vient de dire, faut suivre un peu. Ça ouais, d'accord. Ouais bah forcément celle l'a tuée c'était pendant la pause, donc elle a pas pu bouffer des côtelettes. On va faire la tactique de Mia qu'elle nous avait enseignée. Je vous rappelle, faut partir du principe. Même si on n'a pas vraiment la preuve. Qu'elle n'a pas mangé les côtelettes. Parce que sinon, bon, sinon elle est innocente. Si c'est pas la même. On va attaquer déjà. Thank you.
toute façon, ça c'est bon, ça c'est bon. Pourquoi elle précise ça, par contre? Un truc sur le fourgon, peut-être? Après la réunion. C'était après la réunion. Sur la table devant le mobilhome. J'adore cette affaire. Tout est question de côtelettes. Alors voici le schéma d'un veau, nous avons ici le... Je sais quoi. Putain, mais comment? On est censé se rappeler de ça, bordel. Ça m'énerve, ce truc-là. Voilà, on voit que le fourgon. En fait, faudrait vraiment des photos des assiettes de côtelettes, parce que déjà, la première fois... J'ai failli me faire avoir. En mangeant l'os. C'est une côtelette désossée. C'est vrai que je voulais bien regarder dans l'incinérateur, mais il y avait des cendres normalement dedans. Celui qui détient la vérité. Ça, ça va dire qu'elle a raison. Peut-être que la première réponse. Faut arrêter quoi, un bout de bois avec une pique au bout, on peut le sauver. Hein. Il peut pas faire son boulot. Mm-hmm.
Ouais. C'est ce que j'allais dire, lui arracher les mains. Elle nous donne carrément la réponse, quoi. Ouais, c'est pareil, on est obligé de perdre. Hein. Enfin, de perdre une chance. Casser et réparer avec du scotch. Ça veut dire qu'il a été pété, utilisé et scotché après, donc du coup ça faisait comme un petit couteau. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Non. On a aucune preuve, hein. Merde. Attends, on a même pas de... Même pas de malus. Là, j'avoue que je suis pas trop. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Elle l'a pas tué avec un appareil photo ou... Oh putain, je suis trop con. Bah oui, forcément. Ouais, elle a refait exactement la même chose, quoi.
donc. On se laisse pas déstabiliser, hein. Il est dans les pensées. La dessus, enfin la déplacer, pas tout de suite alors peut-être. Ouais bah elle l'a déplacé alors putain. Ça va être forcément te déplacer si elle l'a tué là et qu'on la retrouve ailleurs. Ça c'est clair, ça peut être une seule preuve, celle-là. Bah ça c'est assez difficile à dire. Parce que ça change en fait. Qu'il le sache ou pas qu'il est transporté. Alors remarque qu'il a sa botte. On va dire oui, on va dire oui. Déjà.
Elle a déjà dit. Toi. C'est vrai que c'est une théorie, on n'a pas de preuves. Ah, là, faut avouer qu'il faut rien, Hunter. En fait, je faisais ça en tentant de lui faire dire des conneries, mais c'est vrai qu'elle aime pas trop tourner autour du pot, donc. Je crois que quelle que soit notre réponse, ça doit rien changer. Ouh. C'est bizarre, on dirait qu'il essaie de nous aider. Ouais, c'est bizarre, mais bon. Moi, je veux bien de son aide, hein. Putain, c'est long. Ouais, c'est ça, c'était mon but, c'était ça, c'est quand j'ai dit retémoigner. Je pense qu'Hunter aussi, il essaie de gagner du temps, voire ça dit pas de la merde.
Ouais. Là, il dormait. Oh putain, ça c'est pas très gentil. D'accord, on l'oubliait dans le bus donc c'est bon. Normal. Elle est pas assez. Elle est trop paniquée pour aller chercher l'onté, mais. Et pour ça, par contre, on y pense pas. Est-ce qu'elle vient de le tuer? Je savais pas encore qu'elle. Même moi je l'avais vu. De toute façon c'est n'importe quoi, c'est Phoenix Wright, voilà. L'avocat désigne les coupables et l'accusation défend le... Ma mère était blessée, il ne pouvait tourner aucune scène. Ah oui, c'est vrai qu'il était blessé aussi. Je me rappelle pas de ça. Je fais rien. Où est le portrait? Alors non, mais non. Oh, merci, mais ça va pas trop. C'est forcément là-dessus qu'il y a une contradiction, vu que c'est une déclaration qu'elle a rajoutée après.
Alors, elle peut pas le savoir qu'il était blessé. Le Salmonello, il peut pas le savoir non plus, ce que je vois. Il traîne la jambe. Comme ça qu'elle l'aurait vu. Mais... De toute façon, là, si on arrive à prouver qu'il était bien allé. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Elle le sait parce qu'elle a vu lui traîner. Donc elle savait que c'était Hammer dans le costume. Pourquoi t'étais pas blessé? Qu'est-ce qu'elle a cru? Parce que lui il faisait semblant d'être Gustavo en fait. Ouais. Ah si, il était là. Putain, elle l'aurait tué en croyant que c'était Gustavo? Putain, c'est peut-être ça? Bah non, non, bah non. Je sais que c'était Hammer, du coup. Parce qu'elle dit qu'Hammer boit de scène. Je sais pas, je sais pas. À moins qu'elle les tue en pensant que c'était Gustavo, et après elle s'est dit merde, c'est Hammer, faut que je cache le corps. Sinon, on connaît pas son mobile encore, donc on va voir, mais... J'ai une petite idée, mais... Allez, coriace, hein. Peut-être un accident. Ça peut être que la photo, hein. Ils ont dû s'embrouiller là-dessus. De peur des menaces. Thank you.
pense qu'elle avait pas de mobile. Non, non, elle avait pas de mobile. Je pense que c'est lui qui a voulu la tuer. C'est pour ça qu'il est là-bas. Et qu'elle s'est défendue en allant. Ça a dû même la soulager d'un poids, on dirait. Sa tête. Avec les petits confettis habituels. Qui voulait être la vedette. En fait, la victime, c'était le méchant, quoi. Enfin, on peut pas dire que ça rend de la faute de Hammer, mais... En fait, c'est lui qui voulait faire un meurtre, faire porter le chapeau à Lonté.
crois que c'était fini. Voilà, vous voyez que là on voit beaucoup plus Hunter comme un perso intéressant qu'avant, c'était juste le... Voilà quoi. C'est juste un gars qui était là au tribunal contre nous. Vous allez voir qu'on va le voir de plus en plus qui c'est vraiment. Je vous en dis pas plus, mais vous le verrez dès la prochaine vidéo, de toute façon. On va en voir beaucoup plus sur Hunter. Les gros enculés qui font exprès de pas donner la réponse. Il l'a vraiment fait. Ah ! Il est en français ? Voilà, donc c'est la fin de votre affaire. J'espère que vous l'avez trouvé bien. Moi, je l'ai trouvé personnellement beaucoup mieux que la deuxième. Beaucoup plus compliqué. Puis bon, il y avait plus de perso, c'était plus compliqué, donc forcément, c'était mieux, quoi. On va sauvegarder. Je veux juste vous montrer le petit dessin qu'on a débloqué, voilà. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, les pistes de perso comment. Là, il y en a deux, là, il y en a... Voilà. Alors, c'est dommage, un peu dommage, le texte qui gâche tout ça. Voilà, voilà. Si vous avez aimé, faut surtout, absolument, regarder l'épisode 4. L'épisode 4, c'est, à mon avis, c'est le meilleur épisode du jeu. Il y en a 5. Bon, à la base, il y en avait 4, mais vu que le jeu a été réédité sur DS, c'est un jeu de Game Boy Advance à la base. Dans la version DS, ils ont mis un 5e épisode que je ferai aussi, qui est extrêmement compliqué et long. Voilà, mais niveau scénario, le 4 c'est un des meilleurs. Hein. C'est un des meilleurs. Le 5 est excellent aussi. Le 4 et le 5 c'est les meilleurs de l'épisode 1. Du Phoenix Wright 1, je veux dire. Mais le 4 en fait il est super parce qu'il concerne des persos principaux. Donc vous verrez ça. De toute façon, dès l'intro, vous verrez que ça va être un super épisode, quoi. Bien mieux que ce qu'on vient de faire. Donc bah j'espère que je vous ai donné envie de faire. Enfin de regarder l'épisode 4. Et puis bah je vous quitte là, merci d'avoir regardé ça avec moi, enfin regardez ça avec moi, hein. Je me comprends, c'est moi qui joue mais je regarde en même temps parce que c'est un peu comme un film interactif, Phoenix Wright.
Voilà. Donc, bah, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo pour l'épisode 4. Allez, salut!